Sauf. Tu veux une fraise? Elles sont douées, pion. J'adore. Dis, je voulais te demander. Tu t'es fait refaire les seins? C'est une façon sympa de me demander si j'ai grossi. Grossi? Non, mais attends. Moi, je te demanderai jamais si t'as grossi. C'est juste que depuis quelques temps, je te trouve, comment dire, plus voluptueuse. Ah ouais, tu trouves? Bah, dis, on voit que ça. Et pourtant, tu sais bien que moi, les seins. Ah oui, ça, je sais, ça va pas te rendre hystérique comme hier. J'étais pas du tout hystérique, j'étais contrariée. Ok, donc nous, on est des hystériques, mais vous, vous êtes juste contrariée. Ouais, arrête de jouer sur les mots. J'avais toutes les raisons du monde d'être hystérique. Tu t'es arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence pour faire pipi. On ne peut s'arrêter ou circuler sur la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de force majeure. Mais je sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que ma vessie a rétréci et puis ça va, c'est pas la mort. La durée de vie sur une bande d'arrêt d'urgence oscille entre 15 et 20 minutes. Donc si, c'est un peu la mort. Et excuse-moi, mais pour faire pipi, il y a des aires d'autoroute. Tiens, prends une fraise, ça va te détendre. Quoi? Tu vois, ça me reprend. Une envie pressante. Non, bah non. Ah si? Non, Sophie. J'avais mis mes quatre clignotants. Oui, bah encore heureux, dis. T'imagines si la police passait par là, t'étais encore bonne pour payer une fois de plus une amende de 116 euros. Ça fait cher le pipi, ça. Excuse-moi, mais c'est totalement incivique de s'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence. Et en plus, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Dramatique, n'exagérons rien. Hein. J'ai faim. Non, mais t'imagines si tu bloques la circulation des ambulances ou des pompiers. Je me demande si j'ai pas encore de la choucroute dans mon sac. Ça se marie super bien avec les fraises. Hein? C'est bon, je mesure le danger, j'ai compris, je n'utiliserai plus jamais la bande d'arrêt d'urgence, sauf si ma voiture ne roule plus. Et dans ce cas-là, tu dois absolument allumer tes quatre feux de signalisation, sortir du véhicule, ne jamais rester à l'intérieur. Jamais. Oui, passer outre la barrière de sécurité et surtout, surtout, porter un gilet fluo. Oh zut, j'ai déjà tout mangé. C'est fou ce que j'ai faim. Franchement, il y a quelque chose qui a changé en moi, mais quoi? Mais oui, quoi?